En sa quête. Pourrait faire un effort, il pourrait changer de skin au moins. On leur dirait la prochaine fois. Ça. Enfin, le match qui va commencer. Ouh. Pitou qui a vu le débris, il lui s'est dit, tiens, je vais pas te laisser faire. Alors il va pas trouver ce que ça... Ah, le big avait gratté. C'était pas trop ce pourcentage là. Alors que 93%, hein, une vraie belle manière de commencer la game. Pour Pitou. Parce que le message est clair, pareil qu'avant, hein, ne respire pas tranquille, sinon je te grappe. Alors que... Le petit port. Aïe, aïe. Alors que Vergeture est dans la sauce, c'est retourne offstage après un backer bien trouvé de la part de Pitou. Ah, et oui, bon, le pire ici, c'est le personnage pour que la gâteau de Il s'est bien mis sur la distance de. Sur le bord pour revenir finalement sur la distance de roll et lâcher un bon gros smash. Enfin, très bonne phase de match, je crois. Très bon. Que ça. Tente des OPR ici, malheureusement, on ne veut pas toucher. Pitou qui est toujours très très bien, hein. Il gratte des pourcents ici avec sa dash attaque. Cette dash attack me fait toujours penser à la dash attack horrible de Luigi dans Melee. Vraiment dégueulasse. En tout cas, Pitou un peu dans la sauce ici. Il va pas prendre de F-tilt, très très bien d'avoir shield. Parce que c'est vrai que c'est une habitude un peu des Wii Fit de faire les F-tilt à l'edge. Qui aime bien tuer comme ça avec le F-tilt en loot boss. Attends, la reward est bonne quoi. Ouais, clairement. Puis c'est pas très risqué donc. Ça va. On trouve un deep breath ici. Toujours à 85. On a une belle. Pas mal, peut-être, on a une belle. Comment dire. Une belle nuance par rapport à la game de Pitou d'avant quand il jouait contre Zil. C'est plus du tout la même chose. Là il laisse pas du tout respirer Bifit alors qu'avant il était. Ouh, la belle tech de Vergeture. Ah, le downbeat qui a bien couvert. Qui a bien couvert l'haricot de Vergeature, mais Vergeture qui a bien dit Aïe qui ne meurt pas. Ah, ouais, oui, on voit qu'il joue. Se faire. Pas de la même manière. Hein. Il est pas passif, enfin il attend pas que Vergeture vienne sur lui, il attend essaye de trouver des grabs. C'est lui qui met le rythme de la game là, clairement. C'est ça, en plus il a l'avantage, donc vraiment c'est logique, le down tilt ici. Logique qui dépasse un petit peu trop et qui se prend le down tilt. Et oui. Et oui, malheureusement on va prendre ce down tilt qui projette très bien. Par contre côté Vergeture on est toujours. À 136%, on pourrait mourir à tout moment d'une tornade, d'un up smash, ou quelque chose dans le vent. Ce n'est pas ce qui manque, le kill power côté Luigi. Voilà, on va trouver le up smash ici. Du coup, Pitou qui a eu une stock d'avance. Ah, le grab qui est trouvé, est-ce que c'est fini? Est-ce que. Zero to death. Enfin, je vais réussir à DI et non. Enfin, oui, enfin. Il a réussi à DI. Ne meurt pas. Ne meurt pas. En plus, sur PS2, ça aurait tué. Comme il fallait, quoi. Ouh, le smash qui est trouvé. La Pitou, il a vraiment vu que Vergeture s'amusait trop à faire des ballons, du coup il s'est approché directement proche de Bifit pour pouvoir mettre un smash dans les dents. Bon, faut regarder ici. On va faire un soleil pour continuer à gérer, à lancer des hitbox devant le stage. 124% côté Pitou. C'est un peu compliqué, hein, il galère à remonter. À chaque fois qu'il remonte, il se refait envoyer dans le vide. Il faut regarder le F-Tilt qui va prendre la stock à travers tout le terrain. Cross-up F-Tilt, c'était propre. C'était pas mal, ouais. On a toujours, voilà, on stole un peu le Deep Boss, hein, côté Pitou, évidemment. Qui est trouvé. Pas de temps, pas de tornade. Père. Pas de tornade, non, pas encore. Ici, il veut peut-être pas scale la tornade. Là, il l'attente, évidemment. Il veut sans doute pas scale la tornade, ouais. On va voir si. Ah, attention parce que. Du offset, on a toujours. Ah, peut-être un, non, pas deux. Pas de misfait. Ah, peut-être pas... un. Il le veut. Ouais, il le veut.
mine de rien, on a vu un Misfire ce soir, mais on... Oh non. Est-ce que... Oh non. Oh non, le Misfire. J'ai pas vu le nom. Ah bah il a Misfire et du coup il est parti trop loin, il a pas pu up. Aïe. Voilà, bah, écoutez, il a gagné un set grâce à Misfire, il a perdu une game à cause de Misfire. Et oui, ça arrive. Trahi par son propre perso. quel dommage. Quelle belle invention. Le Deep Boss, quelle belle invention. Ah, BD. Des... Oui, Bifit est passé par la salle du temps hein, pour. pour ce Deep Boss. Hein. C'est littéralement. C'est comme dans JoJo. C'est comme dans Demon Slayer, c'est pareil. Hein. Faut s'entraîner. Les techniques de respiration, c'est shonen, c'est tout. Mais est-ce une plus belle invention que le Misfire qui arrive par pure chance? Ou malchance pour le coup. Je pourrais pas jouer des persos comme ça. Ouais. En mode, ça passe une fois sur 10. Surtout quand ça arrive au mauvais moment comme ça donne pas très envie. Quoi. Ouais, surtout avoir des trucs qui arrivent par pure chance ou pure malchance dans les jeux de combat, ça doit rendre un peu fou. Ça fait criser. Bon, en tout cas voilà, pour comparer bleu et vergeture, là, je trouve qu'il fait beaucoup plus de. Qu'il joue beaucoup plus dans les airs vergeture, qu'il cherche beaucoup plus de forward air pour aller chercher son adversaire contrairement à bleu. Ouais, il saute fer. Oh, le back air qui est trouvé. Ah, on a tenté. Il a voulu se bi, mais c'est pas. Calme-toi. Il est en placé un troisième, mais non. En tout cas, on a Blue qui est là pour supporter la Wi-Fi dans le chat, qui veut une finale Ditto Wi-Fi. Ah, Blue, tu aimes les Ditto Wi-Fi, toi, c'est cette botte. Moi j'aurais parié Pitou, à ta place j'aurais parié tous mes points sur Pitou. Hein. Enfin, la stock qui est trouvée. Deux stocks partout. Préfère jouer Pac-Man contre Wi-Fi, non? Non, je préfère jouer. Je trouve que le match-up est. Enfin, comment dire. Ça c'est joli. C'est carré. L'avantage pour Pitou revient vite. Oui, ce perso incroyable. Hein. Nintendo banne tous les 0-2 death sauf celui-là. C'est fou. En plus, je crois. Ouais, si au tout début du jeu, Luigi avait un 0-2 death encore plus facile à faire. Parce que le dare de Luigi ne faisait pas rebondir sur le sol. Du coup, bah, c'était encore plus facile. Il faisait juste. Dernière. On aurait peut-être eu plus de Luigi si. C'était tellement fort. On saura jamais. Mais oui, le Ditto Wi-Fi, je préfère encore le jouer que jouer Pac-Man, comme je trouve que le match-up Pac-Man est légèrement en faveur de Wi-Fi. C'est pas évident, donc. Ditto Wi-Fi ou Luigi, c'est la même. Ah bah. Trop stylé, au moins, il n'y a pas d'interaction bizarre avec le ballon. Oh, c'était si fort! Ah non, j'ai cru que. Clipper ça en fait! Est-ce que vous pouvez clipper s'il vous plaît? Clipper ça! C'était tellement mérité! Voilà, tu regardes le ledge, tu te prends. Ledge, troll, est-ce qu'il a, non, est-ce qu'il a regrabbe le ledge ou. Non, en fait, il a ledge trump. Il a ledge trump la Wi-Fi, c'est juste, il a deux flags. Aïe. Non, mais clipper-le! C'est magnifique. Ça qu'il faut montrer pour la prochaine semaine. Droit dans la blast zone. Je crois qu'il y a un point dans les règles qui dit qu'on gagne comme ça, ça compte pour deux matchs, non? Je crois que le tournoi est fini hein, quand c'est. Bien joué à Pitou hein, qui remporte la Smash 23. Bien joué. Non, mais attends, quoi? Vraiment le dramatic screen de la Tones de Luigi. Vergeture qui nous demande s'il est déshérité, mais je crois bien, faut que tu le dises à toute ta famille. Il faut qu'il le sache. Allez, quoi. Ouais, il faut appeler la police, c'est pas vrai. Oh, vraiment. What the fuck. Pitou qui tente ça, genre comme ça. Ça lui est venu, il s'est dit bon. C'est son moment. What the fuck. Et toi, c'est Hit Smash Instant, hein.
Oh, super. Ah, oh, c'est tout pas. C'est tout pas encore. Et une deuxième. Toujours plus. Ça aurait été fou. Pitou qui est pas là pour déconner. Hein. Lui, il dit qu'il veut pas de finale Wii Fit. Moi, je taunte des Wii Fit pour les tuer. C'est ça, incroyable. C'est pour rentrer dans la tête de Vergéture, là. C'est... C'est bon, oh là là, c'est bon, un kit a été fait. Peut-être. Pas de 0-3. Ah, merci, pas de pseudo-valide. Pitou, ce monstre. J'avais dit que Pitou, il est là pour enflammer. Et à chaque fois qu'il joue, c'est tout le public qui est à fond. C'est bon, incroyable. C'est le showman, Pitou. Déjà, il joue un perso qui fait le show. Fait chaud, mais qui te met mal hein, quand t'es à 0%. T'as pas envie d'être à 0% contre Luigi. Hein. Ah, clairement pas. C'est bizarre à dire, hein, mais. Le pourcent auquel tu veux pas être contre Luigi. Oh, la backthrow. Je sais pas si Vergeture a mal DI parce qu'il s'est fait surprendre par la backthrow, mais en tout cas, l'équipe est prise. Elle est très bonne, la backthrow de Luigi. Elle est excellente, mais je sais pas si ça tue aussi, toi. Bon, en tout cas, Vergeture qui a plus qu'une seule qui est dos au mur. Peut-être que. Il subit sûrement encore le contre-coup de ce tour. Je crois que là, il est encore en train de se demander ce qui s'est passé. Ah, ça c'est du fit. What the fuck. Vraiment, genre c'est la réunion pour designer Wii Fit, quoi. Comment en fait, c'est une boîte de Forward Smash ou je sais pas, derrière. Ils en ont mis un peu partout. Ils se sont dit, non, mais vous savez, le yoga, c'est vraiment très fort. Ça donne des pouvoirs. Essayez. C'est ça. Je pense qu'il a été designé par un français, ce perso. Il savait pas ce que voulait dire up, forward et tout. Il boxe un peu comme il pensait et puis voilà. Il a trop regardé Kaamelott, il s'est dit bon, la droite et la gauche, ça dépend de comment on se place. Et, voilà, c'est ça. Oh, l'up smash, je crois. Le Yuga, ça renforce tout corps, et oui. En tout cas, Pitou qui va prendre cette game. Attends, oui, il y a 3-1 là. Non, il y a 2-1 là. Deux, mais oui, mais vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a déjà eu des accidents hein, de gens qui faisaient du yoga chez eux et qui ont cassé des trucs sans faire exprès. Hein. Ils font du yoga, ils cassent le mur derrière eux, c'est terrible. Hein. Beaucoup trop puissant, cet art martial. Enfin, cet art, pas très martial. Enfin, art martial, c'est vrai, quand c'est Wii Fit qu'il utilise. Enfin, bref. Exactement. Il est beau, et oui. Enfin, est-ce que Vergeture va réussir à trouver l'adaptation contre ce Pitou qui pour l'instant domine hein. Depuis ce taunt, c'est plus le même. Hein. Ah, merci beaucoup d'Ashprof. Ouais. Des bisous d'Ashprof. Ouais. Des oubis, merci beaucoup. Très gentil. Que, le chat. Les viewers qui ont failli y arriver au moment sur un petit 0-2-10 de Luigi, mais non. Vous avez raté le meilleur moment, les viewers. Ah, vous avez raté un. Regardez le clip. On vous spoil pas, regardez le clip. Regardez le clip, ouais, on ne spoil pas. Vous avez raté le meilleur moment du tournoi, je pense qu'il n'y aura pas mieux. Créé par Pitou. Sauf s'il refait une petite dinguerie. Ah, c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. En tout cas, Pitou qui aime bien se glisser dans cette petite zone qu'a devant. Que Wii Fit a devant elle, où elle peut pas lancer le ballon. Et ça marche pas mal. Ouais, hein, ouais. Et si Pitou qui est un peu en difficulté hein, pour remonter. Il a un peu du mal, et ouais, comme tu disais, un Vergeture qui aime bien faire les forward air. Même en ledge trap, hein, il se dit ça peut être catch une get object. Le spike de Pitou. Est-ce qu'on va faire un compteur de spike pour Pitou, peut-être. Non, mais il a mis le spike absolu du jeu, quoi. Ok, on va un peu off-stage, on se met corner, mais ouais, voilà, c'était un peu difficile. Interdit de rester trop longtemps. Il avait peut-être un peu peur de sa proche. Pendant que Dixar subscribe à son propre... À Smash Lyon, quoi. Merci Dixar. Merci Dixar pour ton truc. Hein. Mais de rien, ça fait plaisir. Dash Attack, ici. On espère que tu te plairas bien dans la communauté. Il va bourrer un peu ses aérioles ici. Un deep breath avec un forward air qui va permettre de reprendre un peu du stage control. On continue à mettre les pourcents en Vergeture qui va. Ouh, on passe à travers le neutral B ici côté Luigi.
continue à se faire catch les get up jump, hein. Ça se voit que... Oh non, ce petit gimp du hub bleu, heureusement. Non, non, c'était juste qu'il avait plus la distance, je sais pas si... Oh bah... bah voyons. Bon, c'est bah... Voilà. Bon bah, vous pouvez m'en un faire un clip aussi si vous voulez, hein. un misfire raté par là, ça fait deux, hein, ça fait deux qui sont en désavantage de tout dans cette... Oh, 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 le bis qui passe pas, mais les 50% qui sont placés. Oui, fini par la dash attack ici, on a un deep breast, on va commencer, on va mettre le ballon. On n'a pas puni cette rolline malheureusement, enfin cette Tekken. On tente des choses, le deep breast qui est fini ici. On va tilt, on continue à avec le ballon. Off stage. Ouh la bonne, Oh, là, on se peut dodge ici. Et on remet le deep breast. Oh, en plein dans le grab. Je pense qu'il s'attendait pas à grab. Ah bah il attend qu'il a passé un grab. Oh, le terme qu'il a trouvé. Ça prend le ça. Et deux partout. Aïe. Allo, ça va être la map ultime. Alors que clairement, toi dans le chat, sont. sont dépités. On peut le dire. Tu veux dire. Les mains. Ils sont dépitous. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ah putain. On veut tendre des perches comme ça. L'obèse, les mains qui ont Skype. Des pitous, putain. Alors que la régie est en PLS, elle aussi. On part directement. C'est la première game 5 de la soirée. Hein. C'est vrai? Non, attends. Fidel, il y a eu 3 games aussi, je sais pas. Non, attends. Je regarde le bracket, je vous dis ça tout de suite. Top tilt, voilà. Fit qui devient si lourd comme perso. Pourquoi s'embêter à faire des combos compliqués qu'on peut juste faire des upsets finalement? Oui, il s'est pris pour Mario en Smash 4, hein, évidemment. Que juste upsets les gens, c'est bon. Je me souviens d'une époque où j'étais casu et où mon cousin me montrait comment faire des tilts et je voyais faire des upsets avec Mario et j'étais super impressionné. Wow, tu veux upsets, tu veux upsets. Mais quelle est cette sorcellerie? C'est ça. Là, ça va pas tuer la DA, Yvonne. On va prendre la stock, un vergeture qui a bien DA ici. Pour Robert pour repousser Pitou. 337%, on va mettre un backer qui va pas encore tuer aussi. Et on se prend tous les ballons, hein. À chaque fois qu'il se tient devant l'edge, il shield pas les ballons malheureusement. Parce qu'il essaye de faire des boules de feu au désert. Backer ici qui va prendre la stock, 150%. Pour ce Luigi, toujours avec ses 3 stocks. Attention. Attention à des misfires. Oh. La taunt, non. Oh quoi. Virgiture, il est d'Île-de-France, mon cher Tonus. Ouf, la bonne anecdote, j'ai le FTT qui permet à Virgiture de se replacer dans cette game malgré la ST qui fait mal, mais il peut toujours le faire. Là la bonne down throw qui est trouvée, une 2-side B, ça c'est vraiment fort sur les plateformes, c'était câble, mais c'est comme le timing est assez dur, c'est. Et avec la récompense du side B après est vraiment bonne, c'est... on peut le faire. Vraiment, Vergeture qui fait tous ses ledge traps offerts. Hein, genre. Vraiment, il veut choper la get up jump. C'est ça, en fait, le move signature de Vergeture c'est son fer, tandis que celui de bleu c'est plutôt son F-tilt. C'est ça. Au moment où on dit ça, Vergeture a tenté un F-tilt. Pour l'instant, Vergeture remonte, hein. Il a pas envie de lâcher la game. Dommage. On a vu un Pitou qui a tenté une tech chase pour finir la game sur un up B, un jablock up B. Heureusement, ce n'est pas passé. On va voir s'il va trouver autre chose. Cette dash attack qui n'a pas été punie côté vergeture. Par contre, on va trouver cette dash attack. 163%, Pitou qui survit toujours, il évite le ballon. On va remonter tranquillement le deep breast avec le forward air et le down tilt instantanément. Mais Pitou est bien remonté avec un monte de ligne. Par contre, le soleil qui va prendre la stock ici. Et coucou Davianel. Davianel qui est là, Davianel qui arrive pour du Luigi. Davianel, tu as raté le meilleur moment. Je vais montrer le clip à Davianel. C'est une obligation. C'est Davianel, t'as raté le meilleur moment du match. Du tournoi, tu veux dire. Du tournoi, pardon, ouais, carrément. C'est créé par évidemment un Luigi, hein, la sauce. On trouve la dance row ici. Dakar, malheureusement, ce forward smash qui ne va pas, pas toucher. La backer qui est trouvée. Oui, du taf. Et ben, figure-toi. Ouh, le ledge rump qui surprend. Que Pitou a tué avec la taunt de Luigi.
En dramatic screen, c'était incroyable. C'était beau. Il fait un smash ici, 135% de vergeture qui a du mal à survivre. Pitou qui est en train de s'envoler vers la winner finale. Ah, il s'est fait malmener par Pitou, là. Il a vraiment du mal à revenir. Ouais, il ledge frappe super bien la tornade et tout, qui permet de... Oula, il a pu trouver, c'est la fin pour Vergeture. Tornade qui dure longtemps en fait, qui permet de bien agir en termes de timing. Quoi. Enfin, de bien en plus, il bien joué. En plus, il peut un peu bouger, donc il peut à la fois...